Voilà, ça va arriver. Très bien. Splatterhouse, donc version arcade, fait par Namco, 88. Avant tout, alors attends, ma manette. Est-ce que ma manette est reconnue? J'ai l'impression. Normalement, si j'appuie là. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça reset? Ah voilà. Alors, ce que je vais faire là, je suis allé dans les options du jeu. On pouvait aller dans les options du jeu sur la bande d'arcade et je vais me mettre en rang B. Pourquoi? Pour avoir un meilleur début. Verrez. Je vais pas mettre de cheat, mais au moins ça. Enfin, de cheat, ça dépend. Ça dépend si vraiment je galère trop. Mais déjà, je vais me mettre en mode. Un peu plus facile. C'est de l'arcade après tout. Où je vais avoir un peu plus de santé au début. Alors, ce jeu, donc, on dirige un personnage au nom de Rick. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai vu sur Wikipédia. Qui s'était donc réfugié. Ah bah non, merde, c'est vrai qu'on le voit à l'intro. Attendez, je vous mets l'intro quand même. Ça sera plus sympa à regarder. Alors, faut que je laisse un peu. Vous allez voir, donc, c'est Rick et sa fiancée qui se réfugient dans un manoir parce qu'il y a un orage terrible. Vous allez le voir là. Sauf qu'en rentrant dans ce manoir abandonné, notre héros meurt. Alors, on sait pas de quelle façon. On sait pas du tout de quelle façon. Et sa fiancée disparaît. Et notre but, ça va être de la retrouver. Voilà, on l'entend crier. Et donc voilà. Juste ça l'intro. J'espère que je suis bien en rang B. Normalement oui. Sentait bien de faire trilogie en live. Bah ouais mais non. C'est assez long quand même et répétitif je pense. Voilà, donc du coup on a rencontré un masque, le Terror Mask. Qu'on obtient sur soi et qui nous a carrément transformé donc en Jason. Okay, carrément, on peut dire que c'est vraiment une grosse référence à Vendredi 13. Ah, donc c'est un beat'em up où on avance, on coupe des ennemis, on a des armes, ça éclate de partout. Et voilà, après j'en sais pas plus, je connais le premier stage. C'est quand même assez gore. Plein de cadavres au sol, partout. Et donc là je me suis mis en rambée, vous voyez que j'ai vachement de cœur en bas, des points de santé. Chauve-souris, comme d'hab. Saleté d'ennemis, ça. Donc on peut attaquer en avance, vous découpiez en bas. Il y a une espèce de coup apparemment aussi, j'ai vu sur le wiki, qui permet de faire une glissade, un truc comme ça, mais j'ai jamais réussi à le déclencher. J'ai pas trop compris comment on fait, donc bah tant pis. Ok. Ah oui, puis également, oui, il y a un nuage derrière qui nous poursuit, donc faut pas trop traîner, sinon on prend des dégâts. Ouais voilà, c'est juste une vague d'ennemis, je crois que c'est la fin du stage après ça, et je connais pas ensuite. Il me restait blessé, bon, on s'en prend. Saleté. Voilà, bon, c'était le premier stage, maintenant ça va être l'enfer. Tu pouvais jouer aux trois premiers jeux de la version 360, oui, c'est vrai qu'il y a une version next-gen, entre guillemets, que je connais pas du tout. Et donc on pouvait rejouer au vieux. D'accord, marrant ça. Putain, il y en a qui sont plus solides déjà. C'est quoi ça? Ah, c'est comme un couteau ça alors. Je vais essayer d'avancer prudemment, je sais pas, il y a des trucs qui crachent là, de l'acide au sol, je sais pas lesquels c'est là. Ça se pète ça ou pas? Ah, peut-être éviter ça là, par exemple. Ça doit être de l'acide. Quoique, je passe à moitié à travers. Le truc c'est qu'il faut pas trop traîner, même si on a l'air d'avoir le temps. La saleté. Alors, quand on se fait toucher, on lâche notre arme. Attends, mais la vie se remet pas au fait, hein, entre chaque stage. Merde. Oula. J'espère que c'est normal.
Ça a l'air bon. Alors quand on crève, je sais pas trop comment. Putain, comment on ramasse? Je peux pas le ramasser? Merde. Pourquoi j'ai pas pu le ramasser le truc? Bon, j'ai plus qu'un point de vie. Voilà, bah, je suis mort. Et quand on crève, donc, on revient au début du stage. Alors, est-ce que ça va être au checkpoint? Est-ce qu'il y a un checkpoint ou pas? Oui, il y a un checkpoint. Donc on revient ici, quoi. On réapparaît pas forcément à l'endroit. Comment on chope ça? J'appuie sur bas, oh. Je comprends pas. Putain, puis la hitbox, ça c'est bizarre. On va faire que des coups de pied sautés, hein. Ça marche bien ça. Alors, il faut éviter ça, je préfère pas taper dedans là. Sorte de mine. Baisse le son du jeu. Ah merde. T'as raison. Bah non. Normalement c'était bien réglé. Alors attends, c'est où? C'est là. Ah non, pas du tout. D'accord, j'avais raté un truc. Alors attends, faut que je revienne là. Ok, c'est bon. C'est quoi le saut? D'accord, c'est ça le saut. Il devrait être un peu mieux le son. Putain, mais ils ont une portée de ouf. Cette musique. Putain, je m'en prends plein la gueule. Alors tout ce que j'espère c'est qu'on a des crédits à l'infini, hein. Enfin je me comprends. Il y en a forcément en arcade mais ça reset pas au bout d'un moment quoi, comme Astérix. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. C'est quoi ce bordel? Oh une bougie. Putain c'est ça bouge bizarrement là. Ah d'accord. Chaud. D'éviter toutes ces merdes là, mais attends, on voit rien avec l'écran qui bouge verticalement là. Ah, en fait, ça clignote quand ça va tomber, ok. Ça se pète ça? Ouais. Je peux pas contre une chaise. Putain, on fait quoi? Je sais pas si ça peut faire, mais. Approximatif quand même. Oh putain. Ah bah là va falloir que je me retape tout. Parce que là j'ai utilisé un crédit. Et normalement c'est au tout début du stage. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être passer un petit moment. Et que j'ai juste voulu faire. Oh même pas, attends. Non sans déconner, y'a pas de continu. Attends je crois que si normalement, ah si. Voilà on se retape tout. C'est pour ça que j'ai voulu faire que le premier Splatterhouse. Parce que je pense qu'on va passer un certain temps quand même. Avec mon skill. Quand même essayer d'assurer, mais c'est pas forcément évident. Tant que je comprenne les boss. En fait, j'aurais dû farmer les couteaux dans le coin là. C'était le meilleur truc à faire. Oh putain. C'est-à-dire qu'il met 15 ans à faire foutre son coup là de hachoir. Ouais c'est beaucoup de par cœur. Alors comment ça je peux pas le ramasser? Putain ça clignote. Peut-être sauter, faire bas. Non je comprends pas. C'est bizarre. C'est juste pour troller quoi. Je vais essayer de pas perdre trop de vie. Au moins d'arriver au boss sans perdre de vie ici ce serait bien quoi. Alors là faut que j'observe bien mais putain c'est le fait que ça bouge verticalement que j'ai du mal quoi. Putain j'ai même pas vu la bougie. Attends je vais rester là. Non merde. Oh putain. Y'a des trucs qui pop alors qu'ils sont. Ils apparaissent pas en haut.
mal. Il se lève plus lui. D'accord. Merde. C'est pas vrai. Putain mais... Ah faut comprendre les patterns hein. Ok. C'est un peu casse quoi, putain. Si je galère trop, hein, qu'on recommence sans cesse le stage, limite, je me mettrai vie infinie quoi, histoire de pas recommencer tout le temps. Mais on verra, hein. Pour l'instant, ça... c'est trop tôt pour dire ça. Putain. Oh, mais je peux pas shooter les deux là? Putain, c'est tendu. Hein. Vas-y, je me plante de boutons. Oh putain. C'est une horreur. Ah c'est chaud hein. Bon bah voilà, je pense qu'on va passer 2 heures en tout cas sur ce jeu. Si je galère comme ça. Ok. Alors ça déjà, c'est le total hasard. Cette hitbox. Je vais bourriner en restant au milieu. C'est bon? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi ça? Oh mais non! Je peux pas aller plus vite! Oh on se retape tout. Bon bah voilà. Ah, game over. Ok, bon bah c'est reparti. Bon au moins on a compris. Salut ma Fanta. Alors je préviens, je ferai pas de coupure sur la rediff. Vous subirez tout ça. Oh putain, super. Donc il y a plein de pièges fourbes, j'imagine, dans ce style. Ce qui est juste chiant, c'est de tout se refaire, quoi. Bah pourtant je l'ai vu le lustre hein, bouger, mais je suis allé à fond à droite, mais vu comme notre perso est très très lent, ça a pas suffi quoi. Ça m'intrigue toujours hein, ce truc. Ce bâton qu'on peut pas récupérer. Putain, et encore, je suis en rang B. Hein. J'aurais laissé en normal, laisse tomber. Hein. Hein ? Un truc qui m'a popé à la gueule. Ouais, ouais, les masques en haut à droite. Non, non, les cœurs, non, non, faut pas abuser. On va dire qu'au bout de 3 crédits, là, disons que là c'est le 3ème crédit, si je meurs, je mets les vies infinies, quoi. Juste pour passer le. Attends, déjà je vais me mettre là, c'est peut-être mieux. Oh putain, je me fais toucher par le rebond. Allez, viens là, toi. Hop. J'ai bien le temps, j'espère qu'il n'y a rien d'autre. C'est bon? Je peux plus bouger, non c'est bon. Ouh. Alors je sais pas, il y a combien de stages en tout? Il y en a peut-être 5 ou 6.
Mais au moins c'est fait quoi. Oh, y a un fusil. Oh putain, bah à bout portant. C'est du canet. Ça c'est bourrin. Putain, ça débarre. Oh la vache, j'ai désintégré quoi. Comme ça, je peux pas tirer avec le fusil en bas quoi. C'est débile. Tiens, je vais crever là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un fœtus? C'est quoi cette merde? Faut sauter au-dessus. C'est un truc de sniper ça, non? Un caillou. Putain! Foiré! Attends. Casse-toi. Quoi? Ah merde, je l'ai pas tué en un coup, d'accord. Caillou, mais il met 15 ans pour le lancer, donc bon, je vais m'en débarrasser. À moins que ça avait peut-être one-shoté cet ennemi là, ça aurait pu. Ok, encore un fusil, putain, mais y'a pas. C'est le niveau des fusils là ou quoi? Pas foncer dessus. Putain, merde, c'est quoi ça? J'étais beu là. Ok, d'accord. Laserface avec deux tronçonneuses quoi. Putain, mais comment tu je l'approche là? Alors là, ah, faut garder le fusil là, je vois pas. Je vais voir si ça one shot l'autre là. C'est le one shot. Okay. Peut-être que le caillou ça one shot le boss. M'étonnerait quand même. Mais c'est random là quand il crache ou quoi? Attends, je vais essayer de garder le fusil. Ça fait autant de dégâts de loin que de près. Bon voilà, j'ai plus rien. Putain, mais quand je l'approche, je suis obligé de bourrer quoi. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais je suis un peu obligé quoi. Tu fous des coupiers accroupis. Ah, je peux faire avancer des armes. Oh, ça aurait été long ça. Mais du coup, j'ai fini le stage là? J'ai pas fait gaffe. Oh merde. Merde. Hein? Je suis où là? Putain, je crois que c'était le premier stage, mais non. Fallait pas tomber dans le trou? Putain, c'est l'enfer là avec ces trucs là. Putain, mais le stage 3 était hyper court quoi. Ça. Ah, j'ai gagné une vie. Putain, mais c'est quoi cet enfer là? Casse-toi de là. Ok, donc on va éviter de tomber dans les trous. On peut les prendre ça? Non, je sais pas. Oula. Ça a l'air précis ce truc. Oh putain, d'accord. Scrolling qui avance pas là. Il me fait peur ce con. C'est un passage annexe. Oula. Putain, attends. C'est le bordel. Ok. Ouais, comme quoi il y a des stages qui peuvent être très très courts. Hein. Ok, il y a des miroirs. Je sens bien le truc avec un ennemi. Putain, merde, carrément mon double. Casse-toi. Ah merde, putain, il me poursuit à vie ou? Ah non, c'est bon.
Comment on voit quel miroir va me sauter dessus? Ah bah non, on sait pas. Oh putain! Ah bah il l'a fait là, le coup-pied glissade là. Il a fait un espèce de coup-pied ouais, en glissade. C'est ça que je sais pas faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut faire un truc au sommet du saut. Pourtant ça a l'air puissant quoi. Ah ce coup-pied là. Putain mais dégage. Ah bah là aussi, il a fait une glissade carrément. Mais comment il fait? J'y arrive pas, hein. je sais pas comment il fait quoi. Voir c'est un autre bouton? Non. Bon, j'ai déjà plus de vie. Alors le fait de sauter là, d'éviter. Non, marche pas. D'éviter le miroir quoi. Ça avance tout seul. Putain la hache, on l'avait pas eu ça encore. Oh, abusé. Le problème là c'est que c'est ma dernière santé. Bourrinage. Putain, je l'ai pas vu arriver l'autre. Ah c'est pas grave. Bon c'était pas trop loin non plus quoi, faut repasser les miroirs. La Castlevania là, c'est clair, y a un style. Ah il est marrant quand même hein. Bon c'est clair que là j'aurais claqué 500 francs pour le finir. Attends je suis tout au début là. Non? Pourquoi je recommence tout au début? Non. Non c'est... putain j'ai eu peur. Non non. Putain j'ai eu peur. Non! Oh non, pas le passage de l'enfer! On entend bien la manette sur ce jeu? Putain, pourtant je suis loin là. La manette est loin du micro. Par contre, ouais, j'ai bougé pour chercher la glissade. Là, ça s'est peut-être entendu. Putain, merde, c'est sans une merde. Avant d'arriver au bout. Putain mais... Hein. Bon d'accord, je me traîne ça alors. Ah bah les décors ça ressemble beaucoup. Hein. Franchement là je croyais vraiment que c'était le premier niveau. Je me méfie tellement avec les jeux d'arcade. Bon là c'est clair que j'ai crevé. Mais j'arrive pas à les choper les armes au fond quoi. Tout ce qui est au fond j'arrive pas à les prendre. Pareil avec le morceau de bois là tout à l'heure. Putain, en fait, j'ai la touche O qui est pas configurée sur la croix directionnelle. C'est pour ça que ça marche pas. Attendez, je vais essayer de régler ça. Attends, sans tout péter. Non, j'y arrive pas. Je suis obligé de le faire en jouant. Oh putain, c'est mal branlé cet émulateur. Tant pis. Parce que normalement, voilà, avec le stick analogique, ça fait ça. Donc je peux récupérer ce qu'il y a en haut. Mais avec la croix directionnelle, j'ai pas le haut. Bon, bah tant pis, je vais essayer de jongler. Là, c'est peut-être le haut qui me manque pour la glissade. Oh putain. En même temps, il a mis 15 ans à tourner là. Attends, je vais essayer avec le stick alors du coup. Je sais pas, j'y arrive pas. Putain, ça l'a fait drôle là, lui. En fait, faut le bourrer là dès qu'il arrive. Je l'attends là. Fréquence là, au couteau Nokken. Là, ça marche pas, j'avais mis pause et je pouvais pas aller dans le menu.
Ok, c'est bon. Donc on revient à ça là. Tout ce truc à péter là. Alors, je sais pas si à gauche, je sais pas, ça se barre à gauche, mais je sais pas si ça revient. J'avance un petit pas parce que je me méfie. C'est quoi ce bruit? Donc, quand ça revient à droite, ça me fonce dessus après. Ok. J'ai vachement entendu. Putain, merde. Bon. Attends, mais ça tape aussi derrière là. Mais je comprends rien. Je le fais pas toucher en tout cas. Toucher cette croix là. Putain, mais. Je peux plus rien faire là. Bon, c'est bon, il n'y a pas d'attaque finale. S'il y a un final boss là. Non, mais on n'est pas à la fin là, je pense pas. Je peux plus bouger en tout cas. Oui. Il manque un truc ou... Non, c'est bon. Putain, c'était bizarre cette pause. C'est quoi ces deux... Ah non, c'est qu'il me reste deux cœurs, d'accord. Ah, donc là, voilà là, notre fiancée. Peut-être le dernier stage du coup, j'en sais rien. La bibliothèque, oh tiens. Des éléments... Oula, bah, ça se pète en un coup ça par contre. Du premier boss, voilà, une petite vie. Oh là là. Ah. Combat d'infirme, c'est clair. C'était bien ça tout à l'heure. Bon, j'ai eu du cul avec cette croix, hein, parce que ça pourrait être plus pénible que ça. Bon, c'est bien passé, quoi. Ils éclatent bien les chaises, hein. Cette phase. Merde, oh putain. Oula, mais je glisse. Je glisse à mort là. Putain. Ok, d'accord. Jackpot. Il y a la main qui me demande de venir. Je le saute ça ou pas? Ah ouais, mais je glisse à mort. Putain. Ok. C'est quand même pathétique ce gars tué par une chaise. Pour un Jason, ouais, c'est spécial. Putain, mais c'est... il glisse tellement le perso. Attention là, on est plus en apprentissage du stage. Comment tu veux que je fasse là? Putain, mais marche! Ça, faudrait que j'apprenne à le passer sans problème. Ouais, mais putain, c'est tendu quoi. Parce que faudrait que je m'arrête, mais je glisse tellement. Pas évident. Bon, ça c'est chiant par contre. J'ai quelques crédits. Bon, ça, cette phase, normalement. Je devrais le passer sans trop de soucis. Sauf que là, ça feinte un peu, là. Ça feinte un peu plus que tout à l'heure. Ouais, les mains provoquent, ouais, je trouve ça fort. En fait, c'est ça. Faut même pas essayer de le buter, quoi. Lui,
on peut là, quand même. Oh, faut juste faire du tout droit. Bon, là, peut-être pas. Ah putain, mais. Oh, c'est chaud, hein. On va se faire pousser. Ça passe. Merde. Ah, j'avais le choix là, non? Je sais pas. Bon, je suis allé en bas. J'espère que ça va pas être encore les sangsues là. Encore les mines. Putain, avec ces ennemis à la con. Let's go. Oula. J'espère que c'est pas trop labyrinthe quand même. En tout cas, j'ai fait. Oula, plein d'ennemis là. Putain, cassez-vous. Ah, c'est un espèce de nécromancien là qui fait revivre les zombies là. Donc c'est lui qu'il faut que je bute. Du haut couteau là. Par contre, ça l'empêche de ressusciter ça ou pas? C'est pas clair. Ça meurt à un moment donné ou? Oui. Pas de piège. Hein. Éviter de tout dire à l'avance. Je vous avoue que je regarde pas trop le chat au cas où. Mais... Quel con. Excusez-moi. Ah, ok. Je sais pas si. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas vu. Et pas de spoil, hein, je crois pas. Mais tu fais chier là. C'est bon, on peut s'en débarrasser. Par contre, je sais pas si je peux éviter son crâne. Si je fais ça, ouais, si, faut aller vite. Merci. Ça a fait rire en plus. C'est marrant, hein, c'est vraiment des petits stages. Petit segment. Du coup, c'est cool. Ah, elle est là. Oula, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Merde. Ah merde, elle est possédée. Oh putain, l'horreur. Oula, ok. D'accord. Super. Ah, puis j'ai atterri là. Ça, c'est cool. C'est le final boss, alors, du coup. J'y crois pas, mais bon. Ah, oh, putain, ça marche pas. Donc elle revient quand même elle-même, au bout d'un moment, donc il y a peut-être moyen de la sauver, quoi. Par contre, ça a l'air d'être chaud quand même, hein, de la voir s'embourrer comme j'ai fait, là. Putain, ça feinte. J'évite de perdre des vies. Oh putain, il y a ce passage, c'est vrai. Oula, j'ai tout projeté, mais. Putain, mais je vois pas comment tu le passes. Allez! Ah, mais. Allez, lourd! Putain.
C'est tout paumé. Ok. Ok, ok. C'est horrible cette phase là. Putain, j'ai pas voulu sauter direct. Oh putain, mais je fais de la merde, ça y est. C'est parti là. Attends, je saute sur place. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Saut sur place et ensuite on se relance. Ça, ça passe normalement. Je voulais faire un saut sur place. Bon, tant pis, hein, je passe. Merde, putain, je voulais aller en haut à droite. On se retape ça. Okay. C'était quoi ça? Ah oui, l'autre qui fait renaître les morts. Lui là. Faut que je fasse. Oh mec. Putain, mais il est inaccessible. Bon bah il va y avoir un crédit je pense encore. Putain il est chaud ce stage. Ah mais il s'éloigne. Faut que j'attende qu'il se rapproche. C'est bon. Merde. Oh d'accord. Allez, c'est bon. De toute façon, je vais t'indiquer. Ah, ça va m'indiquer quand je serai au dernier stage. Pas quand je me suis pas fait toucher là. Oh. Le crâne il m'avait mille fois touché mais non. Alors. Comment on va faire pour elle? De toute façon là... Je veux bien essayer d'éviter des coups mais... Je sais pas trop comment. C'est quand même bien dégueulasse quoi. Ah, putain avec ses griffes à la coupe. Oh, mais je peux même pas m'éloigner. Bon. C'était pas mal. Bel essai. Je l'ai touché deux fois, je crois. Du coup, on se retape tout encore, hein, parce que c'est les risques. Ah putain, non, je me fais toucher par ça, quoi. Je vais essayer d'avoir l'échelle tout à droite. Si j'y arrive. Stage de l'enfer. Ah, le premier il passe. Je fais tout le truc sur place. Attends, merde. Putain mais je sais pas. C'est vraiment tendu quoi, c'est pas celui-là quoi.
Mais je sais pas si ça passe hein, en se baissant pour les griffes. Je réessayerai, mais je crois que j'avais essayé, c'était pas bien convaincant. Allez, on va quand même découvrir cette zone là. Peut-être y avoir 50 vies. J'aime pas trop les tableaux. Quoi? Je l'ai pas shooté? D'accord, on peut shooter le crâne aussi. Bon, écoute, hein, je sais pas, c'est le bordel. Je descends. Ah bah, d'accord, j'atterris là. On se retape l'autre con là. Celui-là. Ah ouais, d'accord, il est hors écran. Je peux pas le toucher, quoi. Je crève là, ce sera mieux. Enfin, je vais essayer de pas crever, mais. Putain, c'était risqué. Hein. Elle a réussi à le lâcher avant. Pas de chance. Juste à la fin. Bon, en tout cas, si je meurs et que j'utilise encore un crédit, là je mettrai vie infinie pour ce stage, quoi. D'accord, super. Pas mal en santé. Bon, je vais essayer de me baisser avec les griffes, mais j'ai un doute. Elle dit my darling, non? Il y a vachement d'écho dans sa voix. Non, non, mais c'est peut-être parce que je suis collé. Putain, mais je me... Waouh! Je peux même pas fuir sans en perdre 4 points de vie, quoi. Mais putain, je suis vachement loin là. Bon, bref, se baisser, c'est pas. Ça a pas l'air d'être ça. Voici autrement. Trop lent, juste trop lent notre perso. Je sais pas ce qu'elle dit. Oh non, mais merde, regardez à distance quoi. Bon, bah je me retape tout. Waouh. En tout cas, c'était mieux cette technique. Par contre, ouais, juste pour ce stage, stop quoi. Remarque
remarque que ça fait vachement de vie en haut. Je pourrais l'enlever là. Bon, on verra. Je finis le stage et je l'enlève. Alors sinon, on y est encore pour une heure. Ah là, putain, j'ai réussi à le passer là. Ouais, on va reprendre en haut. J'ai raté le saut. Bon, bah c'est pas grave. Je sais pas, il y a peut-être un autre chemin encore à droite et. Je l'ai raté. Donc on va se retaper l'autre là. Putain, si tu pouvais t'approcher un peu. C'était mieux géré. Du coup, le stage suivant, j'aurai 5 vies quoi. Et c'est un peu la musique. Bonne ambiance quoi. Dire que l'avant, son collègue, ont abandonné au boss. Tronçonneuse. L'avant. Attends. Oui attends, là, faut que je me concentre. Restez éloigné et essayez de foutre plein de coups de pied. Hop, projeter dans un coin. Cette hitbox est tellement monstrueuse que. Putain. Non, mais là, je vais me faire toucher. Ah non, c'est bon. Ouf. En tout cas, je vais perdre moins de cœur en faisant ça. Je fais ça. Merde, putain, j'attendais un grand saut là. Ah, mais là, oh, mais là, s'il fait des tout petits sauts, il va falloir changer de stratégie alors. Ouais, c'est clair. Là, tu vois, petit pipi à la cheminée. En fait, je sais pas si l'ennemi attaque
Si. Ok. J'étais pas sûr. D'accord, je me suis gouré de bouton. Parfait. Bien joué. Bon, bah voilà. Ouais, heureusement que j'ai vu infini là. Horrible ce boss. Putain, mais j'arrête de me planter de bouton là, c'est quoi ça? Là, sans déconner. Attends, je vais le faire sans sauter, peut-être. Ça passe peut-être mieux sans sauter. Putain. Sans sauter, ça a l'air quand même mieux. À part quand il fait ces tout petits sauts là, j'arrive à avoir toute ma vie à ce moment-là, quoi. C'est là qu'il me déglingue à toute vitesse, quoi. Et là, faut peut-être faire les sauts. C'est rien. Faut s'avancer vers lui. Ça marche bien, ça. Ok. Ça a l'air bon. Ah, est-ce que c'est la fin? Ah non. On me l'a piqué encore? Donc, fin de stage, là. Stage 6, ah non. Peut-être pas le dernier encore. Bon alors là, du coup, hein, j'ai dit que j'enlevais. Mais après c'est pareil, hein, si j'utilise 3 crédits, je remettrai. Attends. Qu'est-ce que c'est une merde là. Partout. Putain mais c'est ignoble. Bah, quand il saute, il fait un coup pied normalement. Ça c'est bien quand ça atterrit comme ça. Par contre en haut je peux rien faire. Bah là il fait un coup pied quand il saute. Putain je comprends rien. Putain. Ouais je sais pas. Ça dépend. Mais je l'ai pas shooté. Je vais pas... je vais pas passer ce mini-stage, quoi.
Ah, je me suis fait toucher là, vraiment. Bon, je verrai sur la rediff parce que j'ai l'impression que non, quoi. Oh la vache. Ah bah si j'arrive pas à passer ça, ça va être compliqué. Mais putain, mais cette hitbox de merde. Mais je le touchais là. Je fais des doubles coups parfois. D'accord. Oh là, mais c'est quoi ces trucs, ces diagonales là que ça me fait là? C'est ultra long. Ce boss de merde là, sac à PV là. Oh là là. D'accord. Bon. C'est ouais. Moins amusant là. Ça m'a pas touché ça. J'ai carrément les pieds dessus. D'accord. Putain. Allez. Putain, c'est ignoble. Allez, c'est bon. Plus qu'un cœur. C'est extrêmement long là ce passage. Putain, c'est pas la meilleure idée du jeu là. J'aimais bien les petits stages là, ça c'était sympa là. Là, bon, on s'emmerde quoi. C'est juste que c'est dur. Hein. Putain, allez! Mais. Ce que je fais, je me laisse tuer. Ouais, je me laisse tuer. Ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si je vais pas foutre les vies infinies direct. Hein. Parce que là, ce genre de passage là, j'ai pas envie de le refaire 50 fois. Mais clairement. Mais alors, clairement. Où est le fun quoi. Ok bah c'est bon. Tu commences à te faire enchaîner, c'est quasi foutu. Putain. Puis la hitbox du jeu, hein. 2 sur 20 quoi. Là-dessus. Ok. Je peux faire une darkie. Pouf. Là, c'est vraiment le passage bouffe fric. Mais clairement, je pense que c'est assumé là. Putain, ça me passait au-dessus largement. Putain, mais ça m'énerve. Ces approximations là, ça me gave quoi. Je peux faire de toute façon, je vais arriver au.
Ah, par contre, j'ai réussi à gagner une vie à force de buter ça, là. Faire de l'high score, c'est pas mal. Bon. Non, déjà, direct, je mets les vies infinies, parce que si j'arrive à passer ça, jamais je voudrais refaire ce passage. Mais jamais. Mais putain, cette hitbox de merde. D'accord, je sais pas d'où tu viens, toi. De partout. Allez, vas-y, viens toi. Ah putain, on y arrive. Je me fais agresser de partout. Putain, lâche-moi. Ah, c'est le moment de merde du jeu, hein. 100%. On l'a trouvé là. Mais putain, je fous le coup, il m'accroche direct. Je comprends rien, quoi. Je comprends que dalle. Bon, ok, c'est mort. Allez, vas-y. Eh ben, 1000 francs après, je suis toujours à ce stage. Un chapeau comme à celui qui a fini le jeu en one credit. D'accord. Faut vraiment pas se laisser envahir, quoi. Putain, c'est tellement l'enfer. Pas vu arriver. Merde, putain. Putain, mais passage de merde. Oh là là. Et on se retape encore 10 minutes là de marche. Putain, je sais pas, jusque là tout se faisait bien, mais alors là... Ah, j'ai fait une glissade là, attends, parce que j'essaye de lire le chat en même temps, mais bon, avec ce niveau en bois, je peux pas. Plein de streamers en ligne actuellement. J'arrive pas à lire, désolé. Je verrai ça après. Putain. Ah, l'énergie infinie, ça va être imminent. Lâche-moi, putain. Ah, le fun est parti hein, dans ce jeu. Hop, allez. C'est bon. Il a gagné.
allez, on y va. Stage de merde, je m'avoue vaincu, j'en ai rien à péter. Sinon, putain, ça fait déjà plus d'une heure, c'est n'importe quoi. Allez, c'est ça, accrochez-moi. Accrochez-vous à moi. Je sais pas si c'est comme ça sur la version PC Engine. Mais là, je trouve que c'est large, c'est vraiment abusé. Là, ça fait vraiment jeu d'arcade pour te bouffer le fric, quoi. Mais clairement, quoi. Abuser quand même tout ce qui apparaît quoi. En même temps là je joue pas bien là c'est clair hein, là, je bourrine. Ah ça y est. Putain merci. Ah merde non c'est pas fini. Ah j'aurais pu crever d'accord. Ah c'est pas fini. Bon bah j'espère que c'est mieux quand même ensuite. Putain mais y'a combien de stages? Attends, j'ai bien fait de faire qu'un seul jeu ce soir, hein, de Splatterhouse. Hein. J'ai vraiment bien fait. Hein. Oula. C'est quoi ça? Bizarre, on dirait que ça vole. C'est censé rouler, mais on dirait que ça vole. Quoi? Ça se bute pas, ça? D'accord. C'est le bordel. Putain, ça joue sur les réflexes. Ah. Boss. C'est quoi cette monstruosité? Ok. Avec ma lenteur. Comment ça? Ouais, comme ça, pardon. Ça serait le boss final, d'accord. Ça, c'est gratuit. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc infâme à la fin? Ah, puis on se retape tout, d'accord. Putain, costaud la fin. Enfin, là, ça va. Là encore, c'est faisable. Hein. Merde. Franchement, celui d'avant, c'était vraiment du pur n'importe quoi. Enfin, ça a une limite quand même, ça. Putain. Ça joue à rien. Je peux toucher là? Voilà. Quoi? Mais ça paraît direct! Mais. Quoi? Ça y est, on est en mode hard là d'un coup. Mais putain, stop là! Ça faisait pas ça avant? Enfin, pas aussi vite quoi. Je touche pas là? Ah, mais c'était hitbox quoi. Mais c'est ouf! Attends, mais il est vachement plus tendu qu'au premier essai, quoi. Attention à ça. Oh putain, mais ça va être chaud, quoi. Oh là là, mais j'ai pas le temps.
Salut Telk. Ah putain, j'espère que c'est la fin du jeu après. Hein. C'est bon, j'ai ma dose de Splatterhouse pour ce soir, clairement. Ah c'est clair que putain, si j'avais fait les 3 à la suite, j'aurais pété un plomb, mais sévère. Enfin, surtout s'il y a des niveaux comme le précédent. Ça encore, c'est amusant quoi, là, c'est plus du platforming, si on peut dire. Ah dommage. J'ai failli faire un perfect. Voilà, faut que je comprenne là, avec les mains là, mais putain, quand il montre sa tête et qu'il a les mains, c'est chaud. J'évite de me faire toucher. Voilà, c'est pas mal. Oh, putain, je suis obligé de le prendre. Part de chance hein, quand même, grosse part de chance dans ce jeu. Allô? Putain. Stop. Putain, c'est quoi ça? Ah! Je peux rien faire, j'ai fini. J'aurais terrassé donc l'esprit maléfique du manoir. Et donc ma fiancée là, elle est sauvée ou pas? Ah bah y'a du monde là qui est arrivé. Salut Aizen. Salut. Et salut également HK Image. Bienvenue sur cette soirée Halloween où j'ai été un peu salé. Ah c'est fini, c'est bon. Sur ce Splatterhouse Arcade. Donc un jeu quand même sympa hein. Je suis quand même bien amusé tout du long. À part l'avant-dernier stage qui était juste ignoble. Juste horrible celui-là. Et voilà. Non, non, c'est un bon jeu d'action. Je sais pas si c'est si c'est aussi compliqué sur les suivants, sur Mega Drive. Je les ferai, hein. Je les ferai, les Splatterhouse 2 et 3. Une autre fois, quoi. Mais je pense que je les ferai parce que c'est quand même sympa. Mais waouh, c'est chaud, quoi. Ah bah oui, là, c'est vrai. T'as raison. Y a pas, je me barre tout seul, là, du coup. Qu'on n'a pas réussi à la sauver. Dommage. Le second, la suite directe du premier. Ah, donc il y a peut-être espoir de la retrouver, quoi. Ouais, c'est juste ce stage qui était bien lourd. Mais je sais pas, faudrait voir sur la version PC Engine si c'est exactement pareil. Ou s'ils ont vraiment poussé le truc. Enfin, vraiment, ils l'ont foutu très très hard pour justement. Essayer d'avoir le max de fric, vu que c'est une borne d'arcade. Ils font souvent ça. Mais il n'y a pas d'autre fin, là, je crois pas, hein, dans ce jeu. Enfin, peut-être pas que je tape ma meuf, là, un moment, mais j'étais un peu obligé. Ah, et sur Mega Drive enfin, attends, le premier, ça m'étonnerait. Le premier, je crois que c'est sorti que sur PC Engine, hein, en console. Sans parler de la version NES, hein, qui, je crois, est sans doute autre chose. Ah, un petit truc là. C'est les débris du masque, ça. Ouais. Oh, le sample. Le fameux masque de Jason. Et voilà, the end. Bon, bah c'est cool. On a réussi à le finir en 1h15, quand même. C'est pas mal. Je pense qu'on revient sur l'écran titre.
Non, je me retape ça. Non, non, mais de toute façon, non. Comment ça se fait? Ils se font refaire le dernier stage. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, enfin, ça va, j'ai eu ma dose. Donc, bah, on va faire une petite pause. On va basculer donc sur Alien Isolation. Donc.